Et salut, on se retrouve pour une vidéo sur e-racing. Ça fait un moment que je vous en avais pas fait. Et on est parti sur Sonoma, donc le Sonoma IRL, une version que je ne connaissais pas du tout. Donc comme c'est indiqué sur cette vignette, est-ce que l'on peut gagner sans entraînement? Très bonne question. C'est pas un titre putaclic du tout. En fait, je me dis, et je l'aborde comme ça, e-racing, c'est que j'ai pas envie de faire de surentraînement. J'ai pas envie de m'embêter à trop m'entraîner et me faire cartonner. Bon, c'est pareil pour les autres simulations, mais là voilà, j'ai repris l'abonnement pour prendre du plaisir et pas pour faire du hot lap pendant 3 heures. Donc, j'ai fait très honnêtement, j'ai regardé sur mon PC, j'ai vu qu'il y avait la course, je me suis dit, tiens, on va la faire. Donc, 5 tours d'essai. Les deux tours de qualif et on se lance pour la course. Donc la course en elle-même, 14 tours, donc pas de refuel, rien de spécifique. Donc ça fait partie du championnat Skip Barber 2021, saison 1. Et là, c'est la deuxième course. J'ai loupé Houlton Park, bref, bon, peu importe. Pas très grave. Ensuite, il y aura Suzuka, Watling Glen, Imola, Zolder, enfin bref, il va falloir que je regarde un peu ce que j'ai comme contenu ou s'il faut racheter effectivement des circuits. C'est là où forcément ça risque de pêcher. C'est pas bien grave, on peut se mettre sur une série, sur un championnat et puis faire les autres un peu en roue libre entre guillemets. Donc voilà, on va voir si je peux performer sur cette manche sans avoir beaucoup d'entraînement. Je vous laisse regarder ça et dites-moi, n'hésitez pas à échanger et me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Allez, je vous laisse à la course. Tchuss! Allez, ça va partir. Donc on est P2 sur cette Skip Barber. Je ne sais pas comment, parce que très honnêtement, 5 tours d'essai. Et les deux tours de qualif. Green, green, green. Allez, on se méfie les pneus froids. Donc, je connais bien évidemment Sonoma, mais cette version, cette variante, non, très honnêtement. La skip avec les pneus froids, ça se balade beaucoup. Hein. Ouh, déjà là, ouah, c'était juste. Hein. Ah, vous voyez, même lui il est parti aussi, c'est chaud. Provisoire, deuxième tour, donc il y en a 14. Et pour l'instant, je prends e-racing comme c'était prévu, c'est-à-dire tranquille, pas d'entraînement en transe. Après, je vous ai dit hein, là, j'ai regardé s'il y avait une session, il me restait aller un quart d'heure de training. Pour l'instant, je crois que j'ai fait 4 courses et au final, j'ai perdu pas mal de rating.
Ouais, elle survire énormément. Pas mal quand même cette petite variante que je ne connaissais pas, avec la petite chicane. J'attaque pas plus que ça, hein. je suis premier mais derrière il a 2 secondes donc voilà, fais attention. On prend ses marques. Je dois pas être dans un speed très élevé parce que je suis pas très rapide, j'ai l'impression. Superbe ping. Ah, il est toujours là en rose derrière. Toujours autour de 2 secondes. Il commence à prendre la confiance derrière, il a 1 seconde 6. Ouais, plus de 10 tours. Ah, c'est perturbant de voir l'autre derrière sauter. Non, le rétro.
Ah, une seconde 6, hein, il va pas mâcher. Où est situé. Une seconde 5 derrière. Là, ça va être différent. Il est plus rapide. Un peu foiré mon freinage. En fait, tu te prends bien plus large, lui, hein. J'espère qu'il va pas doubler n'importe où. Voilà, il va essayer à mon avis. Ouais, j'aurais voulu les croiser, mais non, pas possible. Ah, il prend pas du tout pareil que moi. Oh là là, ah ouais, on peut élargir comme ça. D'accord. Tu vois ça, quand tu t'entraînes pas, tu le sais pas. Il bouffe le vibreur et il élargit au maximum. Ok.
Je suis même pas au niveau bon au niveau de l'aéro. Ni au niveau du carburant, enfin voilà quoi. Un freinage très tardif, je pense que vous l'avez vu. Lui aussi a dû le voir. Ah, devant il va le faire chier, je pense. Merci. Je le reprends ici à chaque fois au freinage, mais ce sera pas suffisant. Qu'est-ce qu'il fait? Je crois que j'ai plus d'aileron. À quoi il joue? Il est plus rapide que moi. Je vais perdre mon bout d'aileron. Honnêtement, j'ai pas compris ce qu'il a fait, ce qu'il a voulu faire. Désolé, ça aurait pu être plus grave, mais bon. Voilà. Je suis débarrassé de ça. Pas mal à faire en termes de dégâts. Ouh, il a fait la même que moi. Ah, tu sens que les pneus, clairement...
Il relance mieux, hein. Meilleure motricité, je pense. Il a bien passé. On joue pas moins vite, hein, je vous assure, mais lui, il a augmenté le rythme. Là, tu le fais clairement chier devant. Bon, on va sûrement rester là. Enfin, derrière, il a 4 secondes 8. Il reste 2 tours, donc... Qu'est-ce qu'il fait? Les petites erreurs. Allez, va-t'en, toi. Mais tire-toi. Ouais, espèce de couillon. J'aurais pu me battre un peu plus, hein. Le crétin derrière là.
t'es derrière, gars. Alors tire-toi. Encore un frustré derrière, ça m'énerve. Cristobal, je sais pas quoi mes couilles là. Je suis sûr que j'aurais pu faire mieux. Hein. M'empêcher de revenir sur lui. Bref. C'était quand même une belle course avec le peu d'entraînement. Je suis content. Voilà, si je pouvais démonter sans perdre de points, toi. Je te jure. Cristobal Rodriguez. Ouais, bref. Bon, bah, vous voyez. Même sur Racing, il y a des cons. Il s'est immiscé entre la première et ma deuxième place. Sans ça, je dis pas que j'aurais été premier, mais bon, bref. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et puis, on se dit à une prochaine. Tchuss!